Clyde étaient tous deux jeunes et beaux. On aurait dit qu'ils étaient les enfants du diable. Bonnie and Clyde, c'est en volant une auto qu'ils se sont rencontrés. Ce jour fut mémorable. Dans un drugstore, ils ont pillé puis la fuite. Dans la poursuite, raflant des bagnoles pour mieux se cacher et plus vite. Bonnie and Clyde grandirent en réputation, tant et si bien qu'un jour ils attaquèrent des banques. Les mains en l'air, cri éclat en pleine action, pendant que Bonnie remplissait de dollars un sac. Mais un brave homme voulut les arrêter seuls. Ils l'ont laissé dans une mare de sang, échappant de justesse en riant. Clyde était bien l'ennemi public numéro un. Le FBI au trousse, ils riaient tous deux comme des gamins. Mais tout au fond d'eux-mêmes, ils savaient bien tôt ou tard que ce chemin l'amène à une fin certaine. Au matin blême dans la prairie remplie de fleurs pour mourir. Trahison venant d'une information, la police tend un piège à lui et sa compagne. Bonnie and Clyde, parmi les détonations d'armes à répétition, sont morts dans la campagne. Bonnie and Clyde, la main dans la main.